Qui est là? C'est Leïla, madame, il est 10h. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Et le dos, ça va? Ah oui, oui, ça va mieux. C'est les médicaments, ça. Ça marche bien. Je viens du dos, madame. Vous avez pris votre petit déjeuner? Oui, à l'instant. Ça a été? Disons que je me débrouille un petit peu mieux. Ah, tant mieux. Bon, on a encore pas mal de papiers à remplir qu'il faut envoyer rapidement. On s'en occupe? Est-ce qu'on a le choix? Mince, j'ai oublié mon stylo. Il y en a dans le bureau de mon mari. Ah, bah je vais aller en chercher un. Hein. Je reviens tout de suite. Hein. Ils sont dans le tiroir de droite. D'accord. Vous savez, ce jour-là, c'était nos 20 ans de mariage. On était allés à l'opéra. Et en rentrant dans la voiture, mon mari me disait combien il était pressé de rentrer pour me montrer le cadeau qu'il m'avait offert pour l'occasion. Mais il n'est jamais rentré. Et puis moi, depuis, je suis dans le noir. La dernière chose qui me reste de lui, c'est cette petite statuette posée sur le piano. Mais je la verrai jamais. Désolée, je vous embêtais avec mes histoires, non? Leïla? 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 Ça y est, j'en ai enfin trouvé un. Le tiroir était fermé et j'arrivais pas à trouver la clé. Vous m'avez appelé? Oui, non. Je crois que mes oreilles me jouent des tours. Bon, allez, on s'y met? Qu'est-ce que vous faites? Rien, madame. Je regardais juste votre violon. C'est vous qui en jouez? Oui. Ah, c'est bien. Et le piano aussi? Non, ça c'est mon mari. Ah, d'accord. Vous me jouerez quelque chose un de ces jours? Je crois pas, non. J'ai pas rejoué depuis l'accident. Vous savez, il y a de très grands musiciens qui sont aveugles. Ray Charles, Stevie Wonder, je suis sûre que vous en êtes capable. Je jouais jamais sans Philippe. Enfin, vous avez déjà dû jouer sans lui, non? Quand vous étiez jeune, avant de le rencontrer. C'est justement comme ça qu'on s'est rencontrés. Comment ça? On était tout jeunes. J'avais 18 ans, je commençais le violon. Et lui, il avait 24 ans, il était professeur au conservatoire. C'est lui qui m'a tout appris. C'est une jolie histoire, ça. Mais alors, vous allez plus jamais jouer? Je sais pas. Bah c'est dommage, ça. C'est vrai. La musique, c'est fait pour penser à autre chose, pour changer les idées. Ça vous ferait du bien. Au fait,
fait, c'est vous qui avez touché à la statuette qui était sur le piano? La statuette, madame? Oui, le petit cerf que mon mari m'a offert. Non, ça me dit rien. Vous êtes sûre? Oui, je suis sûre et certaine. Je l'ai jamais vue. Enfin, voyons, il a toujours été là. Pardon, madame, je la chercherai. Y a quelqu'un? Pardon. Il y avait quelqu'un ici cette nuit. Cette nuit? Comment ça? Quelqu'un rentré chez moi. Mais et qui ça? Vous avez donné le double des clés à quelqu'un d'autre? Mais non, à personne. Je sais pas qui c'était. Vous avez dû rêver, madame. Vous savez, moi aussi, parfois, je me réveille le matin et j'ai l'impression que ma mère est venue me parler pendant mon sommeil. Non, Leila, c'était bien réel. J'en suis sûre. Je sais pas, ça doit être les médicaments, c'est tellement fort, ces trucs-là. Si vous voulez, on en parlera au médecin la semaine prochaine. D'accord? Qui est là ?